D'accord. Vous gradez? Salia Haris Saiba Tilawat. Mama.
Following is a translation for verses 31 to 37 of Surah Hameem Sajda. I seek refuge with Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious and ever merciful. As for those who say, our Lord is Allah, and then remain steadfast, the angels descend on them, reassuring them, fear not, nor grieve, and rejoice in the glad tidings of the garden which you were promised. We are your friends in this life and in the hereafter. Therein you will have all that your souls will desire, and therein you will have all that you will ask for, an entertainment from the most forgiving, merciful God. And who is better in speech than he who invites men to Allah and does righteous deeds and says, I am surely of those who submit. And good and evil are not alike. Repel evil with that which is best. And lo, he between whom and thyself was enmity will become as though he were a warm friend. But none is granted it save those who are steadfast, and none is granted it save those who possess a large share of good. And if an incitement from Satan incite thee, then seek refuge in Allah. Surely, he is the all-hearing, the all-knowing. English. Please stand up for pledge. Mettez-vous debout pour le serment. इस वो जर्मनी में भी इस्तेमाल हो रहा है जर्मनी की लजना भी खड़ी हो जाने इधर आने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله I bear witness that there is none worthy of worship except Allah the One without any partner and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and his messenger. I affirm that I shall always be ready
to sacrifice my life, property, time, and children for the cause of faith and the community. I shall always adhere to truth and shall always be prepared to make every sacrifice for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat. Inshallah. Please be seated. Nazm Saloni Rashid Sahiba.
sabko mita diya Quran khuda numa hai khuda ka kalam hai Quran khuda numa hai khuda ka kalam uska mila nishan jiske kalam se hame uska mila nishan jazakallah ji Il y aura maintenant le rapport qui va être présenté par le secrétaire de la Lajna Email ou la secrétaire de la Lajna Email. Bien-aimés, Huzur et chers sœurs, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la fin de notre année 2012 et les Lajna du Royaume-Uni ont participé dans tous les programmes concernant l'enseignement, concernant la tarbiya. Cette année-ci, nous allons célébrer le 60e anniversaire du règne de la reine Elisabeth. La Lajna Email a soutenu la Jamaat dans ces célébrations et pour organiser différentes réunions. Et on a pu récolter ou réunir la somme de 55 000 livres sterling pour cela. Et on a aussi travaillé sur l'ouvrage de Tawfa Kaysaria. Dans toute la nation, on a organisé 6 marathons. Et on avait aussi organisé plusieurs programmes. Et grâce à ces marathons, on a récolté la somme de 33 000 livres sterling. Et les Lajna ont travaillé d'arrache-pied pendant toute l'année. Et nous avons pu travailler aussi concernant nous avons aussi récolté plusieurs sommes par la grâce de Dieu. La Lajna Imaïla du Royaume-Uni a soutenu 3 villages en Afrique. Le département Sana'a Tijarat a travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année et la participation a augmenté. On a donc pu récolter ces sommes. On avait organisé plusieurs mina bazars. Le département Ishaat a organisé plusieurs projets. On a traduit plusieurs ouvrages et pour la première fois, on a produit des ouvrages au sein de la Lajna Maïla. On a publié une édition spéciale en référence à l'ouvrage Tawfa Kaysaria. Le site web de la Nasirat est mise à jour quotidiennement et on a aussi présenté plusieurs passages du livre concernant la vie du saint prophète. On a mis à jour le site web de la Lajna Email. Cette année-ci, il y a aussi le département Tarlim qui a organisé une lecture quotidienne des ouvrages de la communauté. On a aussi distribué les programmes de la Lajna Imaïla et le département Tarbiya a commencé plusieurs programmes avec les mères, avec les jeunes, et le premier a été
Le premier programme concernant le camp de vacances a été organisé à Islamabad. On a essayé de faire en sorte que les jeunes filles puissent apprendre davantage concernant la communauté Ahmadiyya. Cette année-ci, le département Tablir avait organisé un programme sur la paix et concernant la paix, et il y avait plus de 115 invités qui étaient présents. Nous sommes au cours de la quatrième année de la campagne de 10% des distributions des dépliants. Et on a pu distribuer ces dépliants dans plusieurs écoles et bibliothèques. Et chaque région a pu accomplir cela avec enthousiasme. Le département Nord Mubayn a fait en sorte que les nouvelles venues puissent s'intégrer dans la Jamaat. Et cette année-ci, le département a aussi organisé un newsletter quotidien qu'on a envoyé à plusieurs personnes. Il y a aussi eu le département sportif qui a organisé plusieurs programmes. Le département Ziafat a été soutenu par plusieurs volontaires et on a pu offrir du repas tout au long des événements qu'on a organisés au cours de l'année. Et il y a plusieurs moussis au sein de la Lajna Imaïla. Le département finance a joué un rôle important concernant ce département pour faire en sorte que les membres puissent comprendre les contributions islamiques, les prescriptions islamiques à ce sujet. Et les dames ont aussi participé dans plusieurs plans concernant le Tahrik Jadid Waqf Jadid. La Majlis Shura a été organisée à Baitul Futu ce vendredi. Tous ceux qui étaient présents ont parlé à propos du Tarbiya, de la Tarbiya, du Tablir et des finances. Et on va soumettre le rapport à Sa Sainteté le Calife. Cet ijtema a débuté le samedi avec la récitation du Saint-Coran, suivie par la récitation de certains poèmes. Il y avait environ 80 lajinas qui avaient participé dans ces compétitions et toutes les régions étaient représentées. 4150 personnes étaient présentes cette année-ci comparées à 3000 et quelques l'année dernière. Le thème de l'Ijtema était l'excellence du Saint-Coran. Le département Talim avait organisé une exhibition à ce sujet. Le but de ce projet était de mettre en exergue les beautés du Saint-Coran. On a travaillé d'arrache-pied à ce sujet et on avait parlé à propos des prophéties du Saint-Coran, de la science et de la religion et du droit des femmes. La Sadar Sahiba a parlé hier dans son allocution. La Sadar Sahiba a parlé concernant les progrès que doivent faire les dames et le fait aussi de renforcer leurs relations mutuelles au sein de la famille. Elle a aussi dit que les lajnas doivent aussi renforcer leurs relations avec le calife. Elles doivent faire en sorte qu'elles écoutent les discours du calife et de suivre ses prescriptions. Elle a aussi dit que les lajnas doivent aussi se focaliser sur leurs relations avec Dieu et doivent baser cela sur l'amour. Au cours du week-end, plusieurs nasrat ont participé dans les compétitions de récitation du Saint-Coran et des poèmes. Et certaines ont logé ici à la mosquée. Le département Rishtanata avait organisé un forum l'après-midi pour les mères et les jeunes femmes. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y aura une distribution de prix? Sa Sainteté le Calife va offrir les prix pour ceux qui sont sortis premiers.
il y avait trois groupes de Mojalis et on va présenter le groupe 1. Le premier est pour la Jamaat de Newcastle. On présente ici les prix pour les plus petites Jamaats. Et la première est celle de Newcastle. La deuxième est pour la Jamaat de Woking ou la Majlis de Woking. Et la troisième position est pour Swansea. Dans le groupe 2, ce sont les Majalis de taille moyenne. La première est pour Elsfield. La deuxième position est Islamabad. Et la troisième position est pour celle de Wandsworth. Dans le groupe 3, où on a les grandes Majalis, la première place est pour la Majlis de Tuttingbeck. La deuxième position est pour celle de Roehampton. Et la troisième position est pour celle de Wimbledon Park. Ensuite, il y aura les prix qui seront remis à les Majalis qui concernent les Nasserat. Le Bournemouth et Milton Keynes ont reçu le deuxième prix ex aequo dans le groupe des petites Majalis. La troisième position est pour la Majlis d'Oxford. Dans les Majalis de taille moyenne, la première position est pour celle d'Ulsfield, c'est-à-dire la Majlis d'Ulsfield a remporté le premier prix. Deuxième position est pour Putney. Et troisième position est Huddersfield South. Pour ce qui concerne les grandes Majalis, pour les Nasserat, le premier prix est pour Tuttingbeck. Ensuite, en deuxième position, il y a la mosquée Fazal ou la Majlis de la mosquée Fazal. Ensuite, la troisième position est pour celle d'Inner Park. Nous avons aussi des prix pour le département Sanat Tijarat, pour les Jamaat qui ont pu récolter des sommes pour des fonds plutôt. Le premier, c'est pour Bait Noor. Ensuite, il y aura la région de Middlesex avec 1 600 livres. Le premier, c'était 3 000 livres environ. Et troisième position, Hertfordshire, c'est la troisième position est pour Hertfordshire. Il y a aussi le prix pour cette Jamaat qui a récolté la plus grosse somme cette année et cela concerne la Majlis de Huddersfield. Il y aura aussi des prix pour le département sportif et concernant ces Majlis qui ont pu récolter les plus grosses sommes. En première position, il y a Bait Oul Futuh, ensuite la région Est et en troisième position, Bait Oul Noor. Ensuite, il y aura des prix concernant Ishaat, concernant les publications. Il y avait, par exemple, une compétition concernant des rédactions de certains articles concernant le califat. Le premier prix va pour le deuxième prix est le premier prix concernant l'Urdu et Sultan Ahmad de Glasgow. Et les derniers prix est pour l'exhibition du Saint-Coran et le premier prix est pour la région d'Islamabad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جرمنی کی لجنہ کو سر صاحبہ اگر ممکن ہو اپنی حاضری کی رپورٹ بھیجوا دیں. یہاں کی حاضری 5000 تھی 5000 سم تھنگ رپورٹ کنسرننگ لو نمبر دو پرسن کی ایتے پریزنٹ کی سون پریزنٹ فور لیجتما دو الالمان. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جس مقصد کے لیے Le Messie premier a été envoyé par Dieu pour un objectif particulier. Cet objectif, c'est l'objectif pour lequel le saint prophète Mohammed Mustafa était venu pour cet objectif. Et cet objectif, c'est d'apporter cette révolution spirituelle. Dieu s'est adressé au saint prophète Mohammed Mustafa, lui a dit « Ô prophète, informe le monde ». Que moi, j'ai été envoyé pour inviter le monde entier vers Dieu, pour établir la justice. J'ai été envoyé pour faire en sorte que les hommes puissent s'acquitter de leurs devoirs les uns à l'égard des autres. Ainsi donc, voilà cet objectif, voilà ce message. C'est pour ce message que le saint prophète Mohammed lui a été envoyé, et ses compagnons et ses khulafa ont fait des efforts en ce sens. Ses compagnons ont essayé d'atteindre cet objectif, et pour cela, ils ont apporté en eux des changements purs. D'autre part, ses compagnons ont aussi fait en sorte qu'ils puissent transmettre ce message à leurs concitoyens. Et pour cela, ils ont fait des sacrifices. Parmi ces sacrifices, ont été consentis par des hommes, par des femmes, par des jeunes, par des enfants. Et lorsque nous étudions l'histoire de l'islam, nous voyons ces récits extraordinaires de sacrifices. Ainsi donc, il fut important que lorsque le Messie promet l'islam fut envoyé pour parachever la mission du saint prophète Mohammed Mustafa, il devait être en sorte que les Ahmadis, ses suivants, puissent faire des sacrifices ou qu'ils fassent des sacrifices. Et par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il y a des gens qui appartiennent à différentes couches, en différentes situations. Ces personnes ont fait différents sacrifices. Et à l'avenir aussi, on va faire ces sacrifices. Car les progrès des Jamaat ne se basent pas sur l'estrade. Ce n'est pas en vivant dans le confort que l'on pourra remporter cette victoire. Ainsi donc, toutes ces femmes Ahmadis doivent se souvenir du fait que si elles veulent faire partie de ces progrès de la Jamaat,
eh bien, elles doivent sacrifier leur nafs, leur âme. Elles vont devoir sacrifier leur vie. Elles vont devoir aussi sacrifier leurs enfants, sacrifier aussi leurs biens, leur argent. Elles doivent sacrifier leurs sentiments, leurs émotions. Elles doivent sacrifier aussi leur temps. C'est là que nous allons remporter le succès. Tant que les femmes ne participent pas dans ces sacrifices en accompagnant les hommes, tant que tous membres de la communauté ne sont pas prêts à sacrifier ou à se sacrifier ou à faire ces sacrifices, on ne pourra pas faire progresser la Jamaat. C'est pour cette raison que Hadrat Muslima, le deuxième calife, avait pris un engagement avec les hommes et il avait pris aussi cet engagement avec les femmes. Et vous avez répété cet engagement ici, à savoir que nous allons sacrifier notre vie, notre temps, nos biens, nos enfants. Nous serons toujours prêtes à sacrifier cela. Et nous allons sacrifier cela pour maintenir le califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya. L'histoire de la Jamaat Ahmadiyya est témoin de cela, à savoir que depuis le début jusqu'à maintenant, les femmes Ahmadis ont respecté cet engagement là où elles ont eu l'occasion de le faire, là où cela s'est fait sentir. Elles ont fait ce sacrifice et ont respecté cet engagement. Je vais maintenant présenter quelques exemples de sacrifices accomplis par ces dames Ahmadis, des sacrifices qu'elles ont consentis pour la cause de la Jamaat Ahmadiyya, comment Dieu leur a accordé la possibilité de faire ces sacrifices et comment elles ont fait preuve de persévérance. Tout d'abord, je vais évoquer cet exemple de sacrifice pour la cause de la Jamaat. C'est l'exemple de l'épouse de Hadrat Sayyid Abdul Latif Shahid Saheb après le martyr de son époux, Sayyid Abdul Latif Shahid. Après cet incident du martyr de son époux, le gouvernement afghan a persécuté la femme et les enfants de Sayyid Abdul Latif. On ne peut même pas écouter cela, mais elle a fait preuve d'un grand exemple de sacrifice. L'épouse du martyr disait toujours à chaque instant que si pour l'Ahmadiyya, moi et mes petits-enfants sont tués, eh bien je serai contente et je serai reconnaissante envers Dieu pour cela. Et je ne vais pas changer mes points de vue, ma croyance. Voilà donc le comportement de cette dame, de ce grand martyr, de cette épouse de ce grand martyr. Ces sacrifices se sont perpétués. Il y a eu plusieurs dames qui sont tombées en martyr en 1972. Il y a par exemple Mohtarama Rashida Begum Sahiba, épouse de Qari Ashik Hussein, qui avait embrassé l'Ahmadiyya. Ils habitaient dans une ville au Pakistan. Et elle a enduré toute souffrance pour la cause de l'Ahmadiyya et accepté tout sacrifice. L'événement de sa mort était très difficile. C'est son fils adoptif qui l'a tué à coups de couteau à cause de l'Ahmadiyya. Il y a une autre dame qui a fait des sacrifices, Mubaraka Begum Sahiba, fils de Mohamed Salim Bhatt. Le 2 mai, cette dame était partie dans un village pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Elle était assise dans la maison d'un nouveau converti lorsqu'un ennemi est entré dans la maison et l'a attaqué à coups de couteau et l'a blessée. Elle a été transportée à l'hôpital. On l'a infusée 13 bouteilles de sang, mais le décret de Dieu est entré en action et elle a perdu sa vie et elle était sacrifiée pour la cause de l'Ahmadiyya de Dieu. Voilà donc cette dame Ahmadi qui a donné sa vie pour l'établir. Il y a d'innombrables incidents de ce genre.
Hadrat Muslim Maud déclaré que lorsque Qadian, les hindous et les sikhs se sont attaqués aux Ahmadis, à l'extérieur, il y avait des dames qui se sont réunies, des dames Ahmadis, et leur chef était une dame. Voilà la bravoure de cette dame Ahmadine. Elle était de la région de Behra. Cette femme a fait preuve d'une plus grande bravoure que les hommes. On avait dit à propos de ces femmes que lorsque les Sikhs et les Hindous vont venir vous attaquer à coups de couteau et lorsque les Sikhs venaient s'attaquer, eh bien ces dames venaient pour répondre à cette attaque. Et la première était cette dame de Behra qui était la chef de toutes ces dames. Et aujourd'hui, on leur enseigne le judo et le karaté, mais les femmes doivent aussi apprendre à se défendre au lieu de perdre leur temps ici. Hadrat Muslim Maud a aussi cité un exemple d'une dame qui avait fait de bonnes, qui avait bien éduqué ses enfants. Et elle a parlé, ou Hadrat Muslim Maud a parlé à propos de cela. Hadrat Muslim Maud a dit que quelques jours de cela, il y a quelqu'un qui est venu de Sherpura et qui a présenté son rapport. Cette personne m'a écrit, a dit que je veux sacrifier ma vie pour la cause de la foi. J'ai dit que c'est très bien, nous allons méditer, nous allons réfléchir à ce sujet, à savoir comment vous allez pouvoir servir la communauté. Mais dites-nous, de quelle famille êtes-vous? Cette personne a dit que je suis de la famille de Soufi Abdul Qadir. Le deuxième calife a dit que je connais cette personne. Et une de ses filles venait à Qadian. Et cette fille, c'est ma mère, a dit cette personne. Ce jeune homme a écrit au calife, il a dit que mon grand-père était contre l'Ahmadiyya, mais ma mère, elle, toute jeune, ou à la fin, elle a embrassé l'Ahmadiyya. Et après son décès, elle a été enterrée à Bahishti Maqbara. Et ensuite, le jeune homme a déclaré que je veux dédier ma vie, car lorsque je suis né, dès ce jour-là, ma mère m'a fait comprendre cela, que j'ai dédié ta vie pour la cause de la religion. J'avais 4 ou 5 ans lorsqu'elle est décédée. Mais cette parole est entrée dans mon cœur et moi qui suis grand maintenant, j'ai fait mes études, j'ai déjà complété mes études universitaires et j'ai toujours eu le désir d'accomplir le désir de ma mère, car ma mère m'a dit que je dois dédier ma vie. Mais moi, je suis occupé avec les choses de ce bas monde. Ce jeune homme a dit que j'en ai fait mention à mon père. Mon père a dit la même chose. Il a dit que tel était le désir de ta mère, que tu serves la religion. Eh bien, certainement, tu dois dédier ta vie, sacrifier ta vie pour cette cause. Hadrat Muslim Maud a déclaré. Voyez donc cet exemple-là. La mère est décédée. Son fils est parti dans un autre environnement. Il a étudié et il est tombé dans le monde. Il a complété ses études supérieures. Et maintenant, il a eu un bon travail. Mais ce jeune homme avait cela dans son cœur, à savoir que ma mère disait que j'ai dédié ta vie pour la religion. Mais moi, je suis là pour acquérir les choses de ce bas monde. Voilà donc ces effets, l'effet des paroles de la mère sur cet enfant. Alors que l'enfant en avait que 4 ou 5 ans, cet enfant a maintenu cela en son cœur et lorsqu'il a complété ses études, il a dédié sa vie pour cette cause. Voilà donc le travail de ses mères et par la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de mères Ahmadis qui sont en train de sacrifier leurs enfants et qui les placent dans le plan Wakfenaw. Mais après les avoir dédiés dans ce plan Wakfenaw, on ne fait pas assez d'efforts pour leur tarbiya, pour la tarbiya de ces enfants. Et c'est pour cette raison que certains jeunes hommes, après avoir complété leurs études, commencent à m'écrire en disant que maintenant, nous ne voulons pas nous maintenir sur cette voie. Si on avait pu faire leur tarbiya de la bonne façon, si les mères avaient pu insuffler cela dans les cœurs de ces enfants en disant que vous allez devoir vous dédier, eh bien, on n'aurait pas eu de tels exemples. De même, il y a beaucoup de ces mères qui, il y a certaines de ces mères plutôt, qui
ne s'assied pas à la maison, ne s'occupe pas des enfants et de leur éducation morale et spirituelle. Ces femmes se consacrent entièrement à ce bas monde. Et cela tombe dans cette catégorie de ce qui a été dit à propos de Dieu. Ce que dit a dit plutôt Dieu, à savoir que vous allez tuer vos enfants. Et il y a certains jeunes enfants qui restent à la maison, qui sont abandonnés par leur mère. Et certaines de ces mères travaillent tout simplement parce qu'elles ont envie de travailler. J'en ai fait mention au Canada. J'ai dit à ces femmes au Canada que il ne faut pas, sans aucun besoin pressant, partir travailler, tout simplement parce que vous avez envie de travailler. Ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau terme. Certaines jeunes femmes qui cherchent le moyen pour sortir, il a dit que « me time », c'est-à-dire il y a du temps pour moi, c'est un temps que je dois sacrifier pour moi. Mais ces jeunes femmes doivent plutôt s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Hadrat Muslim Maud a déclaré que depuis quelque temps, il y a un jeune qui est venu à la maison et celui-ci m'avait écrit. Il a dit que je veux servir la communauté plutôt. Le deuxième calife a dit que j'ai dit à ce jeune homme, cette jeune femme, que nous n'avons pas de plan pour les jeunes femmes, car les Waqfi Zindagi, les hommes, doivent sortir hors de leur maison pour l'établir. Des fois, ils doivent sortir hors du pays pour prêcher le message, et les jeunes femmes ne peuvent pas partir toutes seules. Si tu veux dédier ta vie, eh bien, marie-toi avec un jeune homme Waqfi Zindagi. Cette jeune fille était silencieuse et partie. Et une des dames a su cela. Elle a dit que il y a une des amies de mes femmes qui a su cela. Et l'autre a dit que je voulais aussi dédier ma vie pour cette cause. Mais elle m'a dépassé, cette jeune fille. Et Allah a fait en sorte que cette jeune fille s'est mariée avec à Waqfi Zindagi qui habitait à l'extérieur. Donc, voyez son intention, cette jeune femme. Les jeunes filles de la communauté doivent elles aussi faire des efforts que de regarder en premier la foi, d'être elles-mêmes pieuses. Et les jeunes hommes aussi doivent faire des efforts en ce sens, c'est-à-dire de chercher les jeunes filles qui sont pieuses. En particulier, j'ai constaté que les Waqfi Zindagi qui vont se marier et on rejette ces Waqfi Zindagi, alors que l'on doit accepter ces demandes de la part des Waqfi Zindagi, si tel est le plaisir de Dieu. On doit certainement réfléchir et prier avant de répondre à ces demandes. Le deuxième calife a dit qu'il y a une autre jeune fille qui m'est venue me voir. Elle a dit que je désire me marier avec un Waqfi Zindagi, mais mon père m'en empêche. Et mon père ne veut pas que je me marie avec un Waqfi Zindagi. J'étais tout étonné, a dit le deuxième calife. Elle a dit que c'est une grande sincérité que je vois dans cette jeune fille. Je me suis adressé à Molvi Abdulata Sahab, qui était le père de Molana Ataul Rashid Sahab. La jeune fille est retournée après quelques jours. Elle a dit que mon père est prêt à accepter cela. Et je me suis marié avec un Waqfi Zindagi. Un jour, cette jeune fille est retournée tout en pleurant. A dit que mon père a dit que si tu pars à l'extérieur avec ton mari, eh bien, je ne vais pas regarder ton visage. C'est-à-dire, il s'est marié avec un Waqfi Zindagi. Et le Waqf de cela est lié avec le père de la jeune fille. Le père, le deuxième calife a dit que j'étais malade et j'ai peur en te voyant pleurant. Fais quelque chose toi-même. Essaye de faire en sorte que ton père soit d'accord. Par la suite, Hadrat Muslim Maud a dit que j'ai dit à Molvi Abdulata de partir voir ce père et de le convaincre encore une fois. Et Waqfi Zindagi, c'est un djihad. Et les femmes ne participent pas dans le djihad. Les jeunes hommes doivent certainement sortir hors de leur pays. Et les jeunes filles ne peuvent pas partir toutes seules. C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas d'ordre à ce sujet. Mais si cette jeune fille a le désir de servir la religion, eh bien, Allah va créer de tels moyens pour compléter leur désir. Ensuite, le quatrième calife
a évoqué le sacrifice d'une dame. Elle a dit qu'il y a Shamim Akhtar Sahiba, épouse de Maqbul Ahmad, qui a déclaré que mon mari, le défunt, est tombé en mortir. Et il avait embrassé l'Ahmadiyya, mais après avoir embrassé l'Ahmadiyya, les mollahs le tourmentaient, le menaçaient. Des fois, on caillassait notre maison. Des fois, on frappait à notre porte pendant la nuit. Il avait des machines pour couper le bois. C'était un jour, une personne en portant le niqab est venue acheter du bois et a fait sortir un poignard et l'a tué. C'était un homme qui s'était déguisé en femme. Après le martyr, les beaux-pères ont dit que si tu abandonnes l'Ahmadiyya, bien nous allons t'accorder la protection. Ils ont dit cela à sa femme. Ils ont dit que nous allons t'accorder notre protection, nous allons t'aimer. Mais cette jeune femme ou cette dame a refusé cela. Et à aucun prix, elle n'a abandonné l'Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison son mari est tombé en martyr pour la cause de la religion et elle-même, elle s'est cramponnée à la religion. Ensuite, il y a l'exemple d'une autre dame qui a été citée par le quatrième calife, Suraya Sahiba. Elle était de Gujranwala et au cours des troubles en 1974, lorsqu'il y a eu des manifestations, 4 ou 5 personnes sont venues à la maison. Mon oncle a dit « Que désirez-vous ? » Les autres ont dit que « Nous voulons vous brûler, vous tous vivants, nous voulons vous tuer, vous brûler tous. » Mon oncle a dit que « Brûlez-vous nos maisons, certes, mais laissez-nous sortir. » Et mon beau-frère Inayatullah est venu. Il a pris mon père et mon mari et les ont poussés à l'extérieur. Et les femmes sont restées à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on a tué ces personnes devant mes yeux. Dieu m'a accordé la patience. Et après 2 mois, ma mère est décédée. Cette situation était très difficile, mais Allah nous a accordé patience et persévérance. Et cette dame a toujours préservé sa foi pour la cause de l'Ahmadiyya, en dépit de cette persécution. Ensuite, il y a mention d'un autre sacrifice d'un martyr, Mohamed Ahmad Sahib. On a fait mention de cette personne. La mère de ce martyr, cela concerne l'événement de 2010. Il y avait certaines personnes qui se sont présentées pour présenter leurs condoléances à cette mère. Lorsqu'on a présenté leurs condoléances, elle a arrêté ces personnes, a dit « Ne présentez pas vos condoléances. Moi, je suis la mère d'un martyr. » La mère d'un martyr, la veuve d'un martyr ont cet honneur. Et on a entendu cela dans toutes ces maisons. Et cette dame a fait preuve d'une grande patience. Ensuite, on trouve mention d'un article dans le journal Al-Fazal concernant les femmes Waqfi Zindagi. Il y a une dame qui était au Pakistan qui a écrit à son fils en disant que c'est un grand défi que de rester à Qadian. Tu dois faire preuve de bravoure et tu dois préserver Qadian. Et si tu dois donner ta vie, eh bien donne ta vie. Souviens-toi que nous serons contents de toi lorsque tu vas préserver les lieux saints de Qadian et du Messie Prophète Islam. Tu dois être un exemple de sacrifice, l'exemple d'un jeune homme. N'aie pas peur, Allah va t'aider. Nous allons prier pour toi. Qu'Allah t'accorde patience et persévérance. Concernant les martyrs de Lahore, j'en ai fait mention auparavant dans mes sermons. Je veux mentionner un autre point ici. J'en ai fait mention auparavant. Il y a une dame qui a écrit, elle a dit que mes petits-enfants sont partis à la mosquée, mais Dieu leur a accordé sa protection. Lorsqu'il y a eu ces tueries à la mosquée, eh bien, nos voisins ont regardé cela et sont venus regarder à la télé, car tout cela se passait en direct.
Mes voisines sont venues me voir en disant que certainement je serai en larmes parce que leur maison était à côté de la mosquée et elles regardaient cela en direct. Ces voisines ou Ahmadis sont venues me voir. Je leur ai dit que nous, notre cas est entre les mains de Dieu. Je ne me soucie pas de mes enfants. Tout cela, tous ceux qui sont dans la mosquée appartiennent à notre famille. Si mes enfants tombent en martyrs, ils seront proches de Dieu. S'ils vont sortir de cette mosquée vivants, ils seront des rasés. Et ces dames étaient bouche bée, ne savaient même pas quoi dire et sont partis là-bas sans rien dire. Il y a un autre incident que j'ai mentionné qui concerne les martyrs de Lahore. Et il y avait un étudiant Ahmadi qui avait étudié quelque temps ici au Royaume-Uni. Il est venu me rencontrer. Il m'a dit que je veux parler à propos de la persévérance de ma mère. Ce jeune homme avait reçu 2 balles lors de ses fusillades. Il a dit que j'étais blessé et j'ai téléphoné à ma mère pour dire que j'ai reçu 2 balles et que je suis en train de perdre mon sang. La mère a répondu, « Mon fils, moi je t'ai confié entre les mains de Dieu. Si tu tombes en martyr, et nous savons que nombre sont tombés en martyr, eh bien donne ta vie avec courage et ne sois point couard, ne sois point peureux. En tout cas, Dieu a accordé sa protection à ce jeune homme. On a fait sortir 6 balles. » Voilà donc l'exemple de cette mère. Voilà comment ces mères ont fait l'éducation de leurs enfants, sont en train de les préparer pour qu'ils tombent en martyr. Les autres viennent consoler les parents de ces martyrs, mais ces parents de martyrs sont là et font preuve de courage. Et ainsi, on ne peut pas anéantir de tels peuples qui font preuve d'un tel courage, car tout cela n'est pas en raison de la colère de Dieu, mais ce sont là des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. On doit certainement prier pour qu'Allah nous accorde sa protection et qu'il nous protège des épreuves et qu'Allah nous accorde son soutien afin que l'ennemi puisse disparaître. L'amir de la Gambie a écrit qu'il y a un village dans le nord de la Gambie. Il y a une sœur qui s'appelle Haja Kinte, qui est une dame âgée. Elle a embrassé l'Ahmadiyya à un âge très avancé. Son mari est non-Ahmadi et ses enfants aussi sont non-Ahmadi. Son mari est non-Ahmadi et elle n'a pas eu d'enfant. Mais en dépit de cela, elle a fait preuve de patience et s'est maintenue sur la voie de l'Ahmadiyya. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle était malade, elle était diabétique et avait. Mais en dépit de cela, elle travaillait dans son champ et payait ses contributions régulièrement. Et elle faisait preuve de patience face à leurs tourments, face à leurs persécutions. Et elle endurait tout cela avec patience et elle est toujours joyeuse. Lorsqu'elle retournait de son champ, elle contactait la Jamaat et disait que voilà, je dois payer la zakat pour cela. Prenez la zakat, ensuite je vais contribuer dans les autres fonds. Voilà donc un exemple de sacrifice financier. Ce sont des nouveaux Ahmadis et qui ont ce sentiment, ce sens de sacrifice. Une dame de la Côte d'Ivoire rapporte que en 2008, lorsque j'ai vu que dans notre village, il y a un grand nombre de personnes qui voulaient partir au Ghana pour la Jalsa, cette dame a dit que je voulais partir moi aussi, mais je me suis dit que moi, j'ai presque rien, mon business ne marche pas, je n'aurai pas d'argent pour partir et je ne pourrai pas travailler pour 10 jours. Mais en tout cas, elle a placé sa confiance en Dieu et elle a dit, j'ai fait l'intention de partir pour le Ghana. Elle a dit que je suis parti au Ghana et j'ai pu regarder le calife et j'ai écouté son discours. C'est vrai que je ne pouvais pas comprendre le discours car ce n'était pas ma langue. En dépit
dépit de cela, en dépit du fait qu'on avait fait la traduction, mais puisque sa langue était tout autre, elle a dit que je n'ai pas compris cela, mais mon cœur était tranquille. Et je me suis dit que ce voyage n'était pas vain. Ce voyage n'était pas vain, a dit la dame. Au contraire, ce voyage était empli de bénédictions pour moi. Donc il y a de telles personnes qui ne comprennent rien et qui toutes sont silencieuses, tout silencieuses à l'écoute de ces paroles. Mais ici, je reçois des doléances de la part des Dajna. Que même si on m'écoute, même si on me comprend, mais en dépit de cela, dans, pour les enfants, en prétextant qu'elles ont des enfants, il y a des dames qui parlent et qui papotent. En tout cas, on doit apprendre de ces nouveaux venus. En tout cas, la dame a dit que lorsque je suis retourné du Ghana, regardez un peu sa foi. Elle a dit que jusqu'en 2012, mon business ne fait que grandir. Comparé à 2008, mon business a multiplié par 8 ou 12 fois. Je suis content. Ma foi est ferme, a dit cette dame. Je suis sûr et certain que lorsque je suis parti au Ghana pour écouter le calife, pour le rencontrer, pour le voir, eh bien, j'ai pu tout acquérir, même ce bas monde. Et maintenant, je fais de mon mieux de suivre tous les conseils du calife, de mettre en pratique ses préceptes. Il y a Fazar Rahim de la région de Maharashtra en Inde a dit qu'on avait établi une nouvelle jamaat 17 ans de cela dans une des régions et on a fait des efforts pour organiser la jamaat et pour organiser les dames aussi. Elles aussi, elles ont fait de grands sacrifices. Le président de la jamaat locale, son épouse est Shamim Begum Sahiba. Elle est la fille d'un converti Ahmadi. Mais après le mariage de sa fille, Nisar Ahmad a eu peur des autres et s'est détourné de l'Ahmadiyya. Et il a commencé à persécuter les Ahmadis. Et il a essayé de détourner sa fille de l'Ahmadiyya. Il a commencé à persécuter sa fille. Et il a repris les bijoux qu'il avait donnés à sa fille. Shamim Begum Sahiba, en dépit de toute sa persécution, a fait preuve de patience et elle a essayé de convaincre son père. Mais la persécution de leur part n'a fait que prendre de l'ampleur et ils les ont privés, ou elle a été privée de ses biens, elle a été déshéritée. Elle a dit que, comparé à l'Ahmadiyya, je n'ai besoin de personne, de rien, mais moi je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya. Elle a dit à son mari que nous allons partir à Kadian pour quelques jours. Ainsi donc, elle a pris son tout petit enfant et elle est partie à Kadian. Et on a essayé de la tuer, mais elle a dit à ses enfants ou à ses parents que je suis sur la vérité. Si vous voulez le salut, eh bien, acceptez cette vérité. Prosternez-vous devant la voix de l'imam al-Mahdi. Et elle a pleuré et elle a dit cela au téléphone. Et elle est restée à Kadian pour plusieurs mois par la suite. Et elle est retournée dans sa région par la grâce de Dieu. Et sa situation est meilleure qu'auparavant. Et il y a un autre récit qui est venu de l'Inde. Hafiz Rehan Ahmad Saheb avait embrassé l'Ahmadiyya en l'an 2000. Il dit à propos de sa mère qu'après avoir embrassé l'Ahmadiyya de notre village dans l'Uttar Pradesh, il y a eu une persécution. On nous a persécutés, nous, et les membres de notre famille. Mais Dieu a fait en sorte que mes parents puissent embrasser l'Ahmadiyya. Après la conversion de mes parents, nos voisins et nos proches nous ont persécutés âprement. Nous ont commencé à nous insulter. Mais par la grâce de Dieu, ma mère a fait preuve de grand courage et accepter tout cela. Il y a eu des mollahs qui sont venus et qui, pendant des jours et des jours, ont essayé de nous convaincre. En fin de compte, ils nous ont menacés. Mais ma mère a fait preuve de patience. Et c'est pour cette raison que ces mollahs ont échoué et sont retournés ainsi. Et il y avait, seule sa famille était Ahmadi dans ce village. De la région de Lucknow, l'amir de cette région
déclare que il y a une dame de cette région qui est une veuve qui a embrassé l'Ahmadiyya dans les années 80 et tout le village s'est soulevé contre lui. Un de ses enfants étudiait à la madrasa et on a menacé cette femme en disant que si tu n'abandonnes pas l'Ahmadiyya, eh bien nous allons jeter ton enfant hors de cette école. Les mollahs sont venus dans ce village pour tourmenter cette dame, mais elle a fait preuve de patience et de persévérance. En fin de compte, on a expulsé son enfant de l'école. Elle a pris ses enfants et elle est partie à Qadian, où elle a envoyé son enfant à Qadian pour ses études de Mollim. Lorsqu'ils ont su cela, ils ont menacé davantage cette dame. Ils ont dit que tu as envoyé ton enfant à Qadian. Ils vont tuer ton enfant là-bas. Voilà donc les complots des mollahs. Mais cette dame a répondu au mollah en disant que les Ahmadis peuvent prendre la vie de tous mes enfants. Moi, je suis prête pour cela. Certainement, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. J'ai vu la vérité. Maintenant, je ne vais pas reculer. En dépit de l'opposition, cette dame a fait preuve de patience et de persévérance. Elle a envoyé ses deux enfants à Qadian pour leurs études. Et maintenant, elle est en tête de liste concernant celles qui font des sacrifices. On a reçu un autre rapport de la Nao. Il y a une dame de la région de Sitapur. Elle est la seule Ahmadi dans sa ville. Et tous sont l'Ahmadi. Après le décès de son mari, les ennemis de l'Ahmadiyya l'ont menacé en disant que tu dois abandonner l'Ahmadiyya, sinon tu ne pourras pas vivre ici. Tu as des jeunes filles ici, qui va se marier avec elles? Mais cette dame a toujours répondu en disant que moi, je vais marier mes jeunes filles avec les Ahmadis, même si elles restent à la maison sans rien faire pendant des années et des années. Et ces jeunes filles ont dit la même chose. Elles ne se sont jamais écartées de l'Ahmadiyya, ne se sont pas mariées avec de non-Ahmadis. Son fils aussi est fidèle envers l'Ahmadiyya. Et ces jeunes filles disaient la même chose en disant qu'on va se marier avec les Ahmadis uniquement. Lorsqu'elles sortaient pour faire quelque chose, eh bien, on se moquait de ces jeunes filles en disant « Voilà, c'est Qadiani, c'est Mirzaï ». Mais ces jeunes filles ont fait preuve de patience et en voyant cela, les ennemis étaient eux-mêmes soucieux. En voyant leur persévérance, jamais les ennemis ont pu regarder dans leur direction. Et par la grâce de Dieu, ces deux jeunes filles se sont mariées avec des Ahmadis. L'amir de l'Indonésie a déclaré qu'il y a une dame qui avait embrassé l'Ahmadiyya. Elle a embrassé la communauté et ses parents l'ont tourmentée, l'ont persécutée. Sa mère lui a dit que si tu n'abandonnes pas l'Ahmadiyya, eh bien, ne viens pas me voir lorsque je serai décédé, ne me touche pas. La persécution a pris une telle ampleur qu'on a poussé cette dame à tout abandonner. Mais ces personnes ont fait preuve de patience, en particulier cette dame. L'amir Saab ou la dame a dit que si j'abandonne l'Ahmadiyya, si je retourne dans mon village, eh bien, certainement, ils vont tout me donner. Mais puisque j'ai accepté l'Ahmadiyya et la vérité, c'est pour cette raison que je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya. Cela est impossible pour moi. J'ai préféré la foi à ce bas monde. Voilà donc comment cette dame a respecté cela, elle qui habite à des milliers de kilomètres d'ici. L'amir de l'Indonésie a rapporté l'incident d'une autre dame. Le mari de cette dame est non Ahmadi. Elle avait une fille et cette jeune fille habitait chez ses parents non Ahmadi. Un jour, le père de la fille est tombé malade. Elle a dit que tu dois abandonner l'Ahmadiyya. Et le mari ou le père a dit à sa fille que tu dois abandonner l'Ahmadiyya et venir vers moi.
Et ce mari voulait divorcer sa femme, mais la Sadar a demandé à sa fille, est-ce qu'il veut que tu abandonnes l'Ahmadiyya pour qu'il retourne vers ton père? La jeune fille a dit que c'est vrai que mon père est malade et que je désire partir rencontrer mon père. Mais j'ai besoin de mon père, mais moi je ne vais pas abandonner la Jamaat. Je peux sacrifier mon père, je peux sacrifier mes sentiments, mes émotions, mais certainement je ne pourrai pas sacrifier ma foi. Voilà donc un exemple de cette foi qui est ferme. Nous voyons cela partout. Il y a Basharat Ahmad, le missionnaire du Kenya, qui a déclaré qu'il y a une Jamaat dans une région. Dans ce village, il y avait une dame qui a embrassé l'Ahmadiyya. C'était une dame qui était assez âgée. Lorsque les ennemis ont su cela, on les a persécutés. Certains les ont complètement boycottés. Et on a reçu de l'aide de l'Arabie Saoudite. Et on a distribué cela dans ce village, et pour cela on a bâti une grande mosquée, et on a aussi donné de l'argent à ces gens qui sont dans ce village. On est en train de faire pleuvoir des dollars là-bas, et ces personnes sont parties dans la maison de cette dame. Ils ont dit, qu'est-ce que les Ahmadis t'ont donné? Viens avec nous, viens dans notre mosquée. Les Ahmadis te demandent de l'argent, et si tu viens chez nous, nous allons t'aider tout le temps. Cette dame a tout simplement répondu que moi, je n'ai pas besoin de votre argent, je ne vais pas partir de votre mosquée pour votre argent. Vous êtes là pour créer des troubles. Vous n'avez pas d'islam avec vous. L'islam véritable, c'est avec les Ahmadis. L'Ahmadiyya nous a accordé cette lumière que vous n'avez pas, vous. Maintenant, nous allons mourir, nous allons vivre pour l'Ahmadiyya. Et nous serons toujours cramponnés à l'Ahmadiyya. Dites à ces mollahs que vous aussi embrassez l'Ahmadiyya et vous allez vivre en paix. Et ces gens sont partis là-bas en disant qu'elle est folle. Basharat Sahib de Tamil Nadu de l'Inde a déclaré que nous avons établi une nouvelle Jamaat dans une région et il y a eu une tempête d'opposition contre cette Jamaat. Il y a les soi-disant représentants du Tahaffuz Khatm Nabuwa, les protecteurs de la Khatm Nabuwa, ils ont organisé une conférence là-bas et dans cette conférence, ils ont insulté le Messie premier alayhi salam. Et les Ahmadis ont organisé la du Saint-Prophète Mohammed ou une conférence sur le Saint-Prophète. Mais les amis ont tout fait pour empêcher cette conférence. Ils sont partis à la police et ont poussé les gens à nous empêcher d'organiser cette conférence. La police voulait empêcher cela. Un de nos missionnaires a pris la permission à la police et il y avait des dames qui étaient présentes. Il y a une certaine Aïcha Bibi qui a dit que moi aussi je vais partir là-bas. Elle a porté sa burqa et elle est partie dans la station de police. Puisqu'il y avait la majorité des hommes étaient partis travailler et il y avait plus de femmes qui étaient présentes. Lorsque le missionnaire a commencé à parler avec les représentants, la police a dit que vous n'avez pas des gens locaux qui sont là et vous n'avez pas le droit de prendre cette permission. Vous êtes de l'extérieur et vous n'avez pas le droit de demander cette permission. Et certainement, les gens de cette région doivent demander la permission. Voilà donc le prétexte qu'ils ont présenté. Aïcha Bibi Sahiba, qui était présente, a dit avec ardeur que moi, je suis d'ici. Si, donnez-moi cette permission. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas présenter notre religion à nous? Nous allons organiser cette conférence et nous allons prouver la supériorité de l'Ahmadiyya. Et nous allons prouver que nous avons, nous, un plus grand amour pour le Saint-Prophète, Mohammed, paix soit lui. Et les policiers étaient tout étonnés et ils ont dit aux autres, et ils ont donné la permission aux Ahmadis d'organiser cette conférence. Dans la région de Calcutta,
En août 2012, au cours du Ramadan, la Jamaat d'une région, on s'est attaqué donc à la mosquée de ces Ahmadis à coups de bâton. On s'est attaqué au Mualim. Mais les dames Ahmadis qui étaient présentes ont fait preuve de grande bravoure, ont entouré le Mualim et l'ont transporté dans la maison d'un Ahmadi. Ces dames Ahmadi étaient présentes et ces dames ont subi des coups, elles aussi, mais elles n'ont pas abandonné cela. Pour protéger, ce sont des dames qui ont protégé cet homme. Voilà donc le courage de ces dames Ahmadi. L'Amir du Bangladesh a écrit qu'en avril 2005, les Mollahs s'étaient attaqués à la mosquée de Sundarban. Et ainsi, les Mollahs avaient placé un panneau en disant que c'est le centre des Qadianis. Et on s'est attaqué aussi aux maisons des Ahmadis. Et on a commencé à tabasser les Ahmadis. Tous les hommes étaient partis protéger la mosquée. Et les femmes et les enfants étaient restés à la maison. Les femmes ont fait preuve de grand courage. Et environ 12 dames ont été blessées gravement. Et elles étaient à l'hôpital pour une longue période. Mais elles se sont mesurées aux hommes et elles n'ont pas laissé partir vain leur foi. L'amir de la Gambie a aussi écrit que il y a une dame de la Gambie qui a subi des attaques. Elle a été attaquée, elle et les membres de sa famille. Le chef était présent et le mari de cette dame était gravement malade. Il a été transporté à l'hôpital et après. Et ses enfants étaient à la maison. Et on organisait donc par la suite ces gens se sont attaqués à sa famille, donc il y avait une réception qu'on avait organisée, on avait préparé le repas, ils ont jeté leur repas mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont attaqués aussi à la mosquée Ahmadi et ont détruit la mosquée. Lorsqu'on a su cela, eh bien, les proches sont venus les protéger. Mais ils ont dit que nous allons tout simplement vous faire sortir de ce village, tout simplement. Lorsqu'on a dit cela à ce couple, à savoir que vous devez abandonner cette région, la dame a dit que nous vous remercions pour vos sentiments, vous êtes venus nous aider, mais nous sommes Ahmadis. Et sans la permission de la Jamaat, nous n'allons pas partir d'ici. Ainsi, ils ont contacté la mission et ils ont dit que jamais on a abandonné une région. Certainement, vous allez devoir rester dans cette région. En entendant cela, cette dame a dit que certainement, nous allons rester ici. Nous n'allons pas abandonner cette région. Et si cette dame n'était pas aussi brave, eh bien, il n'y aurait pas eu d'Ahmadi dans cette région. Par la suite, le centre a contacté le gouverneur et on a envoyé la police aussi là-bas. Et maintenant, par la grâce de Dieu, on a reconstruit la mosquée qu'ils avaient détruite. Et il y a un Mualim qui est dans la région, la Jamaat est établie là-bas. Et par le biais de la MTA, ils sont en train de nous écouter, car on a aussi placé des panneaux solaires dans cette région. Voilà donc quelques exemples que je voulais vous présenter. Je voulais tout simplement vous faire comprendre que nous devons aussi maintenir de tels exemples à l'avenir. Je vous ai présenté cela pour que vous compreniez que le plaisir de Dieu doit avoir prééminence et on ne pourra pas accorder prééminence à la foi sans avoir en tête le plaisir de Dieu. Vous ne devez pas être victime de complexe, à savoir que je dois suivre la mode ou que je ne connais rien à propos de Hollywood, tout ça. J'ai rencontré une jeune fille il y a une jeune fille qui était soucieuse parce qu'à l'école, les jeunes filles ont dit que tu sais c'est quoi Bollywood. Elle a dit que je ne sais pas c'est quoi. On a commencé à se moquer de cette jeune fille car elle ne connaissait rien.
Ainsi donc, vous ne devez pas vous soucier de ces choses de ce bas monde. Vous ne devez pas vous soucier de ce bas monde. À savoir que je ne connais rien à propos de Bollywood, à propos de ces choses futiles qui concernent que ce bas monde. Ou ne dites pas non plus que je dois avoir du temps pour moi. C'est un nouveau terme qu'on a fait sortir maintenant, me time, le temps pour moi. Si vous êtes en train de ne pas suivre les prières, eh bien, vous devez vous soucier. Si vous ne lisez pas le Saint-Coran, vous devez des soucis à vous faire. Si vous êtes en arrière concernant la récitation du Saint-Coran et sa traduction, eh bien, vous avez des soucis à vous faire. Si le calife vous appelle et si vous n'allez pas de l'avant, eh bien, vous avez du souci à vous faire. Si aujourd'hui vous êtes en train de cacher votre religion, si vous êtes victime d'un complexe quelconque, vous avez du souci à vous faire. Souvenez-vous de cela. Le Messie premier d'Islam a été envoyé pour une tâche grandiose et pour compléter cette tâche, vous devez soutenir le Messie premier d'Islam. Si on a besoin des Ansar et des Khudam, eh bien on a aussi besoin des dames. Ainsi, préparez-vous à vous sacrifier pour la foi. Vous devez vous animer d'un nouveau sentiment. Vous devez renouveler ces sentiments de sacrifice et vous devez maintenir ces sentiments. Pour avoir le plaisir de Dieu, vous devez laisser de côté ces désirs matériels, ces désirs que les gens insufflent dans vos cœurs. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Maintenant, nous allons prier. Doa. Amen. Est-ce qu'on a reçu des nouvelles de l'Allemagne, demande sa sainteté le calife. Vous avez dit qu'il y a 5900 dames qui sont présentes ici au Royaume-Uni. 5900 qui sont présentes pour l'Ijtema. Donc la présence des dames ici est 5950. Pour l'Allemagne, il y a 5000 et quelques. Donc, en tout cas, vous avez remporté la victoire sur l'Allemagne. Assalamu alaikum. صل على محمد.